Donc on se trouve ici à l'Auberge du Pin en Ardèche, au lieu-dit Le Pin, et c'est donc ici que tout a commencé avec Sophie Pic, et c'était en 1891. Deux couverts à table, il y aura deux pâtés en croûte et deux strates. Pic. L'histoire de cette famille commence il y a un siècle. C'est à Valence, le long de la Nationale 7, que cette dynastie de chefs a façonné sa légende. Les écrevisses pâtes rouges d'André, le loup au caviar de Jacques, l'iode d'Anne-Sophie. Un raffinement alliant tradition et modernité qui a su, au fil du temps, ravir des générations de convives. Est-ce que j'étais destinée à la cuisine? Je pense que oui, parce que quelque part, je ne peux pas dire que c'est quelque chose que je voulais faire depuis que je suis toute petite, parce que ce serait mentir. Je crois qu'on a un destin, on a chacun un destin qui est plus ou moins tracé, et le tout ben, dans la vie, c'est de trouver sa voie, quoi, de trouver là où on peut s'épanouir, où on sent mieux. Et pour ma part, ben, j'ai mis peut-être un peu plus de temps que la normale à trouver ma voie, parce que je suis revenue à la cuisine, ben, j'avais 22 ans. Donc entre-temps, ben, j'ai fait d'autres choses, j'ai vu d'autres choses, et ça m'a permis de bien mûrir ma décision. Et en tout état de cause, c'est pas ni mon père ni ma mère, ni l'un ni l'autre, qui m'ont forcé à reprendre les fourneaux. À 32 ans et 2 étoiles au guide Michelin, Anne-Sophie est un chef véritablement à part. Autodidacte, la cuisine, elle l'a apprise devant les fourneaux de son père. Son secret? Talent, créativité, intuition et beaucoup de persévérance. C'est une cuisine qui est en route, qui rattaque la semaine en fait, puisqu'on est fermé le lundi-mardi, période d'hiver. Donc c'est vrai que le mercredi, il y a quand même pas mal de mises en place à faire, on sort toute la marchandise. Donc c'est une vraie fourmilière aujourd'hui, comme vous pouvez voir. Donc ben là, on est en train de monter les Saint-Jacques qui vont être préparés pour notre menu qui est le menu Rabelais. Parce que dans la maison, en fait, depuis tout le temps, on a un menu qui s'appelle menu Rabelais. C'est mon père qui l'avait baptisé comme ça. C'est notre menu dégustation. Non, mais là, elle est bien. Ce n'est pas saisonné, elle est bien. Hein. Je ne sais même pas s'il faut rajouter. Hein. Franchement, là, elle est bien. Vous allez la passer, puis vous la saisonnerez après. D'accord. On la monte un peu après. Alors ça, c'est la sauce champagne qui accompagne le filet de loup qui avait un grand classique de la maison. Alors ici, donc, on est sur le poste du poisson. Bon, on se partage ici tout ce qui est zone frigo, entre le poisson et la viande. Donc ici, c'est le poste viande, poste sauce, en fait, où on a un poste cuisson d'un côté, un poste garniture de l'autre. C'est réparti comme ça sur chaque piano, en fait. Hein. Deux personnes à la garniture, une personne au cuisson, une personne qui dresse. Donc voilà, bon, là, on est en train de préparer... de faire poêler les coins pour ce soir, le petit montage. On a un petit montage qui marche avec un gibier, une petite purée de céleri à la vanille avec les coins. Un autre regard après deux générations d'hommes. Par sa cuisson des légumes, des poissons, les textures, les couleurs et la légèreté apportée à ses mets, Anne a su évoluer, donner un éclat, une identité nouvelle à la maison, tout en pérennisant la richesse de l'héritage familial. C'est en voyageant autour du monde, en se tournant vers des horizons nouveaux, qu'elle avance pas à pas vers la perfection. Je pense que oui, j'ai été très séduite quand je suis allée au Japon par les différents stades de cuisine japonaise. Et c'est vrai que j'ai eu la chance de le découvrir avec la famille Tsuji, puisque même si j'étais dépendante de l'école, puisqu'à ce moment-là, je faisais mes études, et ils m'ont initiée à la cuisine japonaise et les différents stades de cuisine japonaise. Donc de ce point de vue-là, c'est vrai que ça a été une découverte pour moi et très séduisante, parce que c'était un domaine que je ne connaissais pas, enfin, ou très peu. Et ça a été fabuleux, oui. Ça a été une expérience fabuleuse. Et je pense que le côté très épuré de l'Asie en général, que ce soit en tant que présentation, en tant que finesse aussi, m'a séduit, oui. Et a influencé, continue d'influencer aujourd'hui ma cuisine.
Bah, disons que quand j'ai commencé en cuisine, je pense que j'étais pas très sûre de moi. J'avais beaucoup de choses à apprendre, j'avais beaucoup de choses à prouver. Et puis en même temps, j'avais vraiment cette envie d'avancer, quoi, de donner un style nouveau à la maison. Donc ça s'est fait petit à petit, avec mes collaborateurs aussi. Enfin, ça a été une construction de tous les jours. Mais c'est vrai qu'au début, ça a été difficile parce qu'il fallait prouver constamment et puis il fallait aussi appréhender ce métier. Parce que c'est parce que je suis la fille de Jacques Flic que je savais pour autant cuisiner. Je crois qu'il faut avoir beaucoup d'humilité par rapport à ce métier et savoir que c'est qu'on apprend continuellement et qu'il faut se remettre en question continuellement. Donc c'est le bon côté. Et puis le désavantage aussi, c'est que rien n'est acquis. Donc, ça, c'est important. En 1995, son père Jacques disparaît. C'est deux années plus tard, avec son mari David Sinapian, qu'elle décide de reprendre les rênes. Une vie nouvelle s'offre à eux. C'est en créant l'Hôtel des Senteurs, un hôtel de charme, qu'ensemble, ils vont donner un souffle nouveau, continuer l'histoire de la maison Pic. Mais je n'oublie pas qu'avant tout, je suis une femme, même une femme en cuisine. Et c'est vrai qu'il y a une chose auquel j'attache beaucoup d'importance, c'est la netteté de la maison, que tout soit bien dressé, comme la plupart des chefs. Et c'est vrai que quand mon mari, comme à midi, est absent momentanément pour pas le voir tout ça, c'est moi qui fais mon petit tour et qui vérifie si la mise en place est bien faite. Parce que même si on a des gens très compétents pour le faire, j'aime bien revoir derrière. Parce que pour moi, c'est important. Il est midi. Comme chaque jour, Anne-Sophie est présente. Elle surveille les cuissons, goûte les sauces et met la main à chaque assiette, au dressage de chaque plat. Son seul bonheur, dit-elle, est celui de ses convives. Où est-ce que je puise mon inspiration? Mais l'inspiration, je crois qu'elle est, elle est partout, tout le temps, quoi. Je veux dire, c'est pas forcément quand on se concentre à se dire qu'est-ce que je vais faire comme nouveau plat qu'on trouve. En fait, l'inspiration, elle peut venir devant le fourneau parce que on a fait quelque chose différemment et on se dit tiens, ça pourrait peut-être mieux coller comme ça. Ou... Et puis elle vient aussi, c'est vraiment les associations de saveurs, c'est dans la tête, quoi. Donc quand on parlait de l'amertume et de l'acidité, en fait, moi, je travaille comme ça. Je pense que c'est un peu pour tous les chefs pareil. Enfin, j'en sais rien, c'est personnel ce que je vais dire. J'essaye de travailler les produits déjà que j'aime beaucoup et de fonctionner avec les produits de saison. C'est-à-dire, je vais chercher une garniture, quelque chose qui va s'adapter, qui va coller, qui va être équilibré avec le produit. Donc d'abord, c'est un travail mental. Et puis après, il y a toute la partie où on affine les choses. Et là, je me dis, tiens, je pensais à associer la pomme verte avec l'oursin. C'est un petit peu, pas antinomique, mais c'est un peu particulier comme association. Bon, après, on fait les essais, on goûte, si ça va bien, ça va bien. Et puis, il y a des fois des choses qui n'aboutissent pas. Mais l'inspiration, il n'y a pas vraiment de... Si seulement on savait comment on pouvait s'inspirer, je veux dire, ça serait formidable. Mais l'inspiration, elle est de tous les instants, de tous les moments. Je crois que... Mais d'abord, c'est dans la tête, ça c'est sûr. C'est les associations dans la tête, et puis après, on fixe les choses. Moi, je fixe les choses sur papier, j'essaye de mettre en forme un petit peu mes idées. Après, j'en parle avec mon équipe, on en parle tous ensemble. J'en parle avec mon mari aussi, parce qu'il est toujours curieux de savoir ce que je vais faire. Et puis, là commence après la période des essais, donc c'est un peu la période la plus angoissante, on va dire, et la plus intéressante, plus excitante. Parce que quelquefois, on aboutit à quelque chose, alors ça, c'est une joie extraordinaire. Et puis quelquefois, il y a des choses qu'on est obligé de revoir ou d'abandonner, parce que ça ne marche pas. Émotionnellement, quand je mange quelque chose que Anne vient de faire... Qui te plaît. Qui me plaît, bah, généralement, ça me plaît quand même très souvent. C'est une joie, extraordinaire. Parce que je sais que c'est quelque chose qui sort de ses tripes. Elle l'a fait avec son cœur. Et pour moi, c'est une fierté de se dire que son petit bout de femme a réussi à mettre ça au point. C'est un de mes bonheurs de voir un petit peu ses créations, de pouvoir les goûter. Et surtout... de voir le bonheur qu'ont les clients qu'on reçoit apprécier ses plats. Voilà, on arrive. Donc devant le caveau de chez Michel.
pour ce qu'il est arrivé. Comment ça va? Bonjour Michel, tu vas bien? Comment tu vas Michel, ça va? Le vent du sud nous a porté jusqu'ici. Eh ben tu vois, ça y est, on a réussi à chauffer un petit peu chez toi. Bon, ben, rentrez. Allez, on te suit. Michel Chapoutier est un vigneron de légende. Pour Anne-Sophie, son instinct, sa passion, son talent font de lui un artiste. Voilà, j'ai amené, comme c'est l'heure du 4 heures, donc un petit foie gras qu'on va couper, et puis le pâté en croûte, parce qu'on est dans la saison du gibier. Alors, ce qui est intéressant avec la cuisine d'Anne-Pic, c'est le non-excès qu'il y a sur certaines saveurs faciles qu'on va trouver très souvent dans les restaurants. Très souvent, on va trouver trop d'acidité, très souvent, on va trouver trop de sucre. Et première chose très intéressante, on n'a pas cet excès de saveur. Deuxième chose que je trouve très intéressant, c'est la recherche, et ça, c'est un, j'ai presque dire, c'est un point faible souvent en Occident, c'est le tactile. Je suis un passionné de cuisine japonaise parce qu'ils ont su travailler le tactile. Chez Anne-Sophie, on a cette recherche du tactile, et qui n'est pas évidente, parce qu'il y a quand même pas mal de restaurants étoilés très très cotés qui vont beaucoup travailler la saveur, vont travailler les arômes, mais qui sont faibles en tactile. Ça se fait bien faire, mais bien garder en bouche le mets et aller le rincer par le vin. Ou si on avale, on a tiré du jus, ou si on prend le vin avant, donc c'est un peu gourmand, mais une fois. C'est pas bien. Ouais, je mettrais bien, dans ce soulier. Je mettrais bien un Saint-Péret de surmaturité. Bah écoutez, moi je suis fascinée par le personnage déjà parce que chaque fois que je l'écoute, j'apprends énormément de choses. Donc le personnage il se retrouve dans le vin. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. La personnalité du cuisinier ou de la cuisinière se retrouve dans sa cuisine, mais c'est pareil pour le vigneron. Et je crois qu'il y a cette surprise aussi, souvent, quand on a eu l'occasion de faire des dégustations ensemble. Et notamment, je m'en souviens d'une, c'était l'année dernière, où je ne sais plus quel vin c'était qu'on dégustait, et j'ai senti tout de suite la truffe, comme ça, qui me prenait, qui nous prenait comme ça. Et c'était vraiment très impressionnant. Et voilà, donc sa personnalité ressort dans son vin, bon, en dehors du fait que tout le monde le connaît. Moi, j'apprécie l'homme avant tout, et je trouve que c'est important d'avoir sa personnalité comme ça qui imprègne tout ce qu'on peut faire. Nous sommes ici dans la cave du restaurant qui est une composition de 20 000 bouteilles. Il y a également 1600 références, une partie vallée du Rhône qui est très représentative, 65% puisque notre région est étant vinicole, donc il n'y a aucun problème, on est voué à la région. Alors grand-père, père, fils et puis la fille m'ont permis d'avoir quelques bouteilles un peu sur la vallée du Rhône, un petit peu plus anciennes. Donc tous les propriétaires de la région, ils sont bien représentés. Bouteille aussi. Du Rhône est bien représenté, Croz-Armitage, Saint-Joseph, Croz-Armitage. Et les vins étrangers sont menaçants pour nous, oui, puisque bon, ils restent dans un critère, un rapport qualité prix qui sont très intéressants. Au fil de son apprentissage, Anne apprend à aimer le vin. Si elle se sent proche de sa région, chaque jour, elle s'ouvre un peu plus vers d'autres terroirs et ose les associations les plus surprenantes. Comme chaque fois, la magie opère. Le vin ouvre des voies de toute façon quand on travaille en cuisine, forcément il y a une complémentarité qui se crée. Et notamment je pense à quelques occasions où on a eu avec les sommeliers un travail à faire, c'est-à-dire qu'on partait du principe qu'un vigneron venait nous faire découvrir son vin. Et à ce moment-là, nous, on composait un menu en fonction de ce vigneron. Donc on a été amené plusieurs fois à le faire. Et c'est vrai que c'était superbe, hein. Parce que nous-mêmes, on arrivait à se réunir, à parler beaucoup plus de l'accord mets et vin, ce qu'on ne fait pas forcément spontanément tous les jours, je le reconnais. Et ce que je regrette,
on devrait plus aller dans ce sens-là. Mais c'est sûr qu'à partir du moment où on goûte des choses qui sont nouvelles, où on ressent des choses, où on a des saveurs différentes, forcément, ça ouvre l'esprit et on a une ouverture directe sur la cuisine. Mais je dois dire que jusqu'à très peu de temps, ma culture œnologue, elle se cantonnait au vin des Côtes-du-Rhône. Et aujourd'hui, je découvre d'autres choses avec bonheur et j'ai envie d'aller vers d'autres régions. Alors, c'est pas parce que je suis chauvine, mais je crois que c'est bon, les circonstances qu'on fait ça. Je me suis concentrée vraiment avant tout sur la cuisine et peut-être parce que je suis une femme, je suis peut-être moins allée vers ce domaine-là. Mais je dois dire que je prends toujours beaucoup de plaisir à déguster des vins, même si je n'ai peut-être pas les termes pour en parler de façon aussi importante que les sommeliers. Mais je pense que je ressens des choses qui sont intéressantes et ça me fait évoluer dans mon métier, bien sûr. Bien sûr. L'ananas penja du Bénin et la pistache, la banane fraissinette et la mangue, le coing et les agrumes, la carte de ces desserts est sous le signe des fruits. Avec son chef pâtissier, Anne Pic nous emmène vers un autre monde où tout est légèreté, croustillance et saveur. Ma collaboration avec Sophie Pic me plaît beaucoup parce que on a un échange pour les cartes assez bien. Je lui montre ce que je fais et après elle donne son avis plutôt féminin, décor, présentation dans l'assiette et on s'entend très très bien pour ça. Les chefs de cuisine souvent sont assez veulent tout diriger, même la pâtisserie. Tandis que là, comme elle fait complètement confiance, il n'y a pas de souci. Ça se passe très très bien parce qu'elle me laisse beaucoup de liberté, de création, de tout, d'organisation, de choix des produits pour acheter, de tout ça. J'ai vraiment la liberté entière. On a le même esprit de travail et on a la même façon de voir les choses en général, donc c'est très agréable pour moi. C'est vrai que ça, c'est ses créations. C'est lui qui s'occupe de créer la carte des desserts, donc quelquefois on en discute ensemble. Quelque chose ne me plaît pas, mais ça arrive tellement rarement. C'est vrai qu'on travaille ensemble d'une façon tout à fait agréable. Accompagner à l'Auberge du Pin. C'est notre petit bistrot qui est maintenant va avoir 6 ans. On l'a baptisé Auberge du Pin justement en hommage aux ancêtres de Anne, puisque tout a commencé en Ardèche, au Pin, à l'Auberge du Pin, où le grand-père a eu 3 étoiles dans les années 30. Et ben voilà, vous allez voir, c'est tout à fait différent de l'autre restaurant. Voilà, Stéphane le chef. Bonsoir. Qui est en charge de cette belle auberge, hein, sympathique, voilà, à l'image du chef, hein, souriante comme lui. Voilà, en fait ici, Stéphane cuisine des plats canailles un petit peu, hein, c'est vraiment de se faire plaisir, c'est des plats du terroir, c'est des plats proches de la Provence. Puis voilà, c'est une carte qui varie régulièrement. Ce qui était bien à l'Auberge du Pin, c'est de faire une cuisine ouverte pour que les clients puissent profiter un petit peu de toutes ces saveurs. Hein, comme là, la broche, en ce moment, je fais des cuisses de canard qui sont rôties à la broche, avec un petit jus à la sarriette. Et voilà, donc je veux dire, ça fait un peu spectacle, les gens ils aiment ça. Bon. Bonsoir, tout va bien ? Bonsoir. Tout se passe bien ? Tout va bien. Oui. Ça va toujours bien d'ailleurs quand on est chez vous. Ah ben c'est gentil, merci beaucoup. Je ressens déjà beaucoup de fierté d'appartenir à cette famille parce que je n'en avais pas conscience quand j'ai épousé Anne, mais au fur et à mesure de mes différents voyages, je me suis vraiment rendu compte de l'aura qu'avait son père et de la notoriété du nom de Pic dans le monde de la gastronomie. C'était pour moi vraiment quelque chose d'extraordinaire parce que je le découvrais un petit peu. Et puis je me suis dit, ben ça, je crois qu'il faut pas trahir ce qui a été fait. Et il faut s'investir pour qu'à notre tour, on apporte notre pierre à l'édifice et qu'on fasse, qu'on poursuive l'œuvre qui avait été déjà faite par son grand-père et par son père. Voilà, c'est un petit peu le choix qu'on a fait. Ça a été un gros investissement pendant 10 ans, puisqu'on a traversé des moments un petit peu difficiles. Et je crois qu'en fait, en conclusion, une succession d'un personnage comme son papa, ben ça prend 10 ans.
parce que ben, il faut se faire un prénom et puis il faut montrer qu'on est capable. Et je crois qu'il faut laisser le temps au temps. Alors voilà, on va faire le gratin dauphinois, qui est une spécialité régionale. Alors gratin dauphinois, il y a 100 000 façons de le faire, mais là aujourd'hui, c'est vraiment la façon originale, telle que moi j'ai pu le goûter tous les mercredis dans mon enfance. Et Dieu sait si j'en ai mangé. Donc voilà, alors, on va parler des ingrédients principaux qu'il compose. Donc bon, au niveau des pommes de terre, on va partir pour un gratin dauphinois à peu près 5-6 personnes. Donc il faut compter à peu près 800 grammes à 1 kg de pommes de terre, 1 demi-litre de lait, 1 demi-litre de crème, un petit peu de beurre, sel, poivre, noix de muscade, ail, très important. Voilà, donc là on a les principaux ingrédients. Au niveau de la pomme de terre, bon, ça dépend un petit peu le goût. C'est vrai qu'il y a des pommes de terre plutôt à friture, il y a des pommes de terre plutôt à purée, pommes de terre à gratin. Moi, en ce qui me concerne, c'est vrai que j'ai une préférence pour la grilla, qui est une pomme de terre à chair très jaune, comme vous pouvez voir. Et c'est vrai que c'est une qualité, gustativement, c'est vraiment excellent. Bien sûr, comme toute cuisson de pomme de terre, on va démarrer à froid, le lait et la crème mélangés. On va bien assaisonner. Bon, il faut quand même que ce soit bien assaisonné, pas trop non plus, parce que c'est vrai que la crème et le lait vont réduire. Donc il ne faudrait pas que ce soit ensuite trop salé. On va mettre notre petite gousse d'ail qu'on a hachée. Alors ça, c'est très important. Incorporer, parce que le gratin dauphinois, il faut qu'il ait le goût de l'ail. Hein, donc après, on va aussi également frotter notre moule à gratin avec un petit peu de beurre et d'ail écrasé. Deuxième élément très important, la noix de muscade. Donc on va mettre nos pommes de terre. Donc là on va faire une première cuisson aux 3/4. C'est-à-dire que la pomme de terre doit être un tout petit peu ferme, mais quand même pas complètement fondante. Elle va acquérir son fondant quand on la passera au four. Ah, donc les pommes de terre ne sont pas fondantes complètement, elles sont mi-cuites. On va beurrer notre petit moule. Le gratin dauphinois, il faut que la pomme de terre soit cuite, hein, sinon c'est pas bon. Le secret du vrai gratin dauphinois, c'est justement de ne pas amener de fromage pour faire gratiner. C'est la chaleur qui va faire gratiner, que la crème va se gratiner toute seule. Et en fait, pour que ce soit plus joli, et c'est vrai que moi j'ai toujours vu le gratin dauphinois fait comme ceci, on mettre des petits copeaux de beurre dur, donc cru, répartis sur tout le gratin, et on va le mettre juste au four comme ça. Et ça va accentuer le fait que ça gratine très légèrement et uniformément sur le gratin. Voilà. Donc on va l'enfourner comme ceci à 180 degrés. Et donc vous allez voir le résultat dans à peu près 10 minutes. Voilà, donc on va voir après un quart d'heure. Voilà. C'est bien gratiné. Alors, il est bien gratiné et bon, il y a le beurre qui a fondu, donc ça a un petit peu graissé autour, ça l'a bien nourri. Voilà le gratin dauphinois. Je ne peux pas dire que j'aime particulièrement quelque chose, mais j'aime tout, mais au bon moment, à la saison où le produit est à son optimum, ça c'est important. En ce moment, c'est vrai que je ne devrais pas dire ça, mais j'ai envie de manger des truffes. Dès le mois de janvier, Anne n'aime rien de plus qu'aller rendre visite à son ami Alain, véritable rebâtier et grand ami de la famille. Le plaisir d'aller à la truffe. Celles de la Drôme, dit-on, sont les meilleures. Ça va plus être des brouillades d'œufs aux truffes. Hein. Des truffes à l'œuf. On ramasse de quoi faire une omelette ou une brouillade, puis on va la manger ensemble. Oui, J'espère que tu as apporté un coup de chasse cousin, non? Oui, c'est... Ah ben, bien sûr. Ah, bon, alors, c'est parce que si elle n'apporte pas du chasse cousin, ben, elle n'a pas la brouillade, quoi, hein, c'est ça. Hein. C'est bon, non.
Allez, à toi. Il faut que c'est le goût, tu vois. Alors, si c'est pas noir, puis à la caméra, comme il sort en noir et blanc encore, il voit mieux comme ça, tu vois. Quand c'est en couleur, on voit pas, mais quand c'est en noir et blanc, on voit bien. Qu'est-ce que je pense de mon parcours ? Je crois qu'il y a eu toute une période où je me suis dit que les choses n'allaient pas assez vite, où j'étais très impatiente. Et je crois que maintenant, avec la maturité, j'ai envie que les choses se fassent doucement, en fait. J'ai envie d'avancer toujours très vite. Je suis toujours un peu impatiente parce que je trouve qu'on ne progresse jamais assez vite. Mais quand je me retourne et que je vois le chemin parcouru, je me dis c'est pas mal. On a pas mal avancé. Mais pas moi toute seule. C'est pas mon parcours personnel, c'est le parcours aussi de toute l'équipe, de toute la maison. Et je trouve que c'est en 3 ans, on a pas mal évolué. Mais il faut tenir le rythme, il ne faut pas s'endormir. L'objectif premier, c'est quand même d'être heureux dans ce qu'on fait. Et après, la troisième étoile, si elle vient, ça sera une récompense. J'espère qu'on la récupère un jour, je le souhaite vraiment de tout cœur. Ce serait mentir de dire le contraire. Mais il faut être avant tout heureux dans ce qu'on fait. Par sa virtuosité, sa fidélité et sa féminité, des atouts qui font la différence, Anne-Sophie s'impose sans nul doute comme un des grands noms de la gastronomie du siècle à venir.